Vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a je ne sais pas combien d'aiguilles. On va voir si ce soir, les aiguilles seront votre point faible à ASMR. Même si je vous avais déjà proposé des vidéos dédiées à ces petites aiguilles, je n'ai pas souvenir de vous avoir proposé une vidéo entière avec la sensibilité à 100%. Oui, je n'hésite pas à lire vos commentaires et observer vos différentes demandes. Et rassurez-vous, je vous proposerai la prochaine fois une vidéo l'inaudible à sensibilité à 100%, même si là actuellement ce n'est pas de l'inaudible puisque vous comprenez ce que je vous dis. On n'en est pas loin avec ce jugement extrêmement doux. Que vous pouvez me dire dans les commentaires les prochains objets pour les prochaines vidéos point faible à ASMR et si les aiguilles sont bel et bien votre point faible. C'est vous qui décidez de l'avenir de YouTube. C'est vous qui décidez de l'avenir.
podcast, c'est vous qui décidez de quelles seront les prochaines tendances sur les réseaux sociaux. Apprenez à regarder les choses qui vous plaisent. Apprenez à être critique sur ce que vous regardez. Apprenez à soutenir ce que vous désirez voir davantage. Et apprenez à ignorer ce que vous n'aimez pas et les vidéastes que vous ne désirez plus voir. Passant votre temps à regarder quelqu'un que vous n'aimez pas, que cette personne arrêtera de produire du contenu, bien au contraire. Voici cette aiguille pour le micro sur votre droite, cette aiguille pour le micro à gauche. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est très très décevant de voir la qualité de l'ASMR proposée sur la plateforme Twitch. J'ai l'impression de voir que des personnes à moitié dénudées, pas du tout relaxantes, et utilisant leur avantage physique pour attirer un public, un certain public. Malheureusement, c'est ce public qui alimente ce mauvais côté de l'ASMR. Bien entendu, il faut proposer de tout pour faire un monde. Mais quand on voit autant de streams ASMR de qualité très 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 discutable, cela impacte les personnes qui ont des idées, les personnes qui utilisent vraiment leurs atouts dans l'ASMR, pas leurs atouts physiques, mais leur dextérité sur leurs gestes, les bonnes idées pour que vous puissiez vous endormir. Mais ces personnes-là se retrouvent dépassées par des artistes ASMR qui ne le sont pas. Par curiosité, pendant que j'étais en train de faire du stream ASMR et j'étais en train de regarder par curiosité les personnes qui étaient mises en avant par Twitch, donc pour la catégorie ASMR, et comment dire, ce n'était vraiment, mais vraiment pas fameux. Avis personnel, bien entendu, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et comme Twitch ne met pas en avant les créateurs qui ont des bonnes idées, ces créateurs ne restent pas longtemps et préfèrent se focaliser sur YouTube ou sur TikTok. C'est vrai que TikTok, au début, la catégorie ASMR n'était vraiment pas extraordinaire et il y avait beaucoup de fausses vidéos estampillées ASMR avec des bruits très très nuisibles. Je sais pas si vous vous souvenez de mes premières vidéos react TikTok ASMR. C'était vraiment pas fameux. Mais sur mes vidéos récentes, le niveau a bien remonté. Et je suis très content pour la communauté ASMR. Mais Twitch, ce n'est pas encore ça. Après,
fait de bêtises, on devrait avoir autant d'aiguilles ici et ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. En effet, nous en avons 11 de chaque côté. Et à votre avis, pourquoi je préfère les artistes ASMR hommes? Bon, déjà, c'est parce que le timbre de voix est plus relaxant que le timbre de voix des femmes. Il y a quelques petites exceptions à la règle, bien entendu. Et surtout, les hommes n'utilisent pas leurs attributs physiques pour attirer le public. Sont un petit peu obligés de trouver les bonnes idées et de se concentrer sur les gestes. Et c'est pour ça que je trouve que les vidéos ASMR d'hommes sont beaucoup plus quali. Mais fort heureusement, on a des exceptions du côté des femmes. Je considère ça comme une lueur d'espoir. Mais bon. Certaines artistes ont repéré le filon. Le filon de la misère. Et elles se servent de ça pour se faire des vues, pour attirer un public qu'elles récupéreront sur d'autres sites pas adaptés aux enfants. Mais après tout, chacun est libre de regarder ce qu'il souhaite. Sévère, mais ne soyons pas dans le déni. Et puis gardons en tête que le plus vieux métier du monde sera toujours d'actualité. Génération future, quelles que soient les plateformes.
20 aiguilles de chaque côté. Mais combien nous reste-t-il d'aiguilles? Attention, j'ai déjà mis un autre là. 28. 29.
voilà une bonne idée. À chaque fois que je vous propose une vidéo ASMR, j'ai toujours une nouvelle petite idée qui pop dans ma tête. Ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Qui sait ?